le repas de ce soir, finalement, on a changé un peu notre épaule, vu le temps, ça va encore. Donc, on propose de manger tous à la batailleuse. Donc, c'est à la ferme qui est plus haut, là-haut. J'espère que tout le monde a vu où c'était, sinon on vous emmènera. Donc, le repas, il est prévu à 20h. Dans le ferme, là. Voilà. Et un peu, vous pouvez arriver là-bas un peu avant 20h. Il y aura un petit coup, possibilité de faire un petit apéro, voilà, de disposer. Seulement avant 8h. Voilà, et à partir du temps, on va manger. Le cercle pour pas que les gens... Oui, c'est vrai. On va pas... On connaît pas de gens. Qui commence quoi? Je me demande, en vous écoutant tout à l'heure tous, là, en écoutant, je me demande quelle idée avons-nous en commun? En commun, oui. Voilà. Ça, c'est un bon début. Oui. Alors là, ça pourrait être un bon début. Moi, je voudrais juste faire un petit show avant de commencer. Alors, ça veut dire que la question que j'ai posée, c'est de la merde. Non, c'est là, tu coupes ça, mon avis et tu commences à foutre la merde dans le bordel. Connaissance comme ça, technique, scientifique, peut-être c'est cette ouverture, en reprenant aussi le terme qu'a employé Jean-Paul, sur une immanence, quoi, sur une poétique et sur une immanence. C'est cette ouverture-là qui nous fait effectivement des sismographes perceptifs et qui fait qu'on a peut-être une sensibilité ouverte que d'autres, on ne peut pas dire qu'ils l'ont perdu, mais qu'ils ont, ils y sont moins à l'écoute, quoi. Voilà. Peut-être qu'on a plus des antennes dans ce monde. On pourrait parler dans la catastrophe qu'on va vers plus de catastrophes encore, par exemple, ou est-ce qu'on on s'oppose à la religion de la technique et de la science à définir? Est-ce qu'on s'oppose à la religion de développement de l'économie? Est-ce que, enfin, on pourrait peut-être poser des questions et essayer d'y répondre. Je sais pas, ça c'est une proposition. Libérer la question de la catastrophe en disant qu'elle est derrière nous. Et à partir du moment où on dit ça, on est extrêmement libéré et on est très joyeux d'être ensemble, de boire des coups, de rigoler et aussi de pouvoir être sérieux. Profondément, je le pense, c'est pas qu'une boutade. Je pense que la catastrophe vient avec Moïse, pour moi, hein, pour moi. Et avec l'ensemble du processus d'humanisation tel qu'il s'est produit depuis le monothéisme. Ça, c'est une hypothèse que je mets en avant. Et ce qui permet de raisonner autrement, parce que d'une manière concrète, on voit aujourd'hui les conséquences de quelque chose. Les conséquences d'un oubli, les conséquences d'une négligence, j'appelais ça une négligence anthropologique, etc., que j'ai développée tout cet après-midi. Voilà. Donc, il me semble, mais ça, je ne vais pas répondre à votre place, il me semble que l'idée que nous partageons tous, c'est d'avoir conscience, dans des formes qui nous sont propres à chacun, d'avoir conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça, que le modèle dominant est en train effectivement de se casser la gueule et qu'on a à réfléchir et à agir en même temps, sans séparer la réflexion de l'action, on a à réfléchir et à agir sur comment vivre maintenant, c'est-à-dire quel est le sens de notre existence à nous et de ne pas arrêter non plus notre existence au seul fait d'exister mais au fait de vivre en commun, c'est-à-dire la dimension politique. Voilà. Au sujet qui était la décroissance et après, ouais. Sur la décroissance et maintenant, ouais. Pourquoi maintenant, ouais. Et l'an dernier, il y a eu une intervention de Sergio Gardi, je ne sais pas si tu connais, c'est quelqu'un qui fait partie du mouvement des situationnistes, qui est intervenu sur ce sujet en disant que la décroissance en soi, bon, elle est peut-être une garantie de survie, de pérennité, mais il faut quand même avoir un autre objectif que la décroissance. La décroissance ne peut pas être un objectif en soi. Donc c'est soit un objectif du plus grand bien, utilitariste ou non utilitariste, mais ça ne peut pas. La décroissance n'est qu'un moyen. Tout à l'heure, tu sais, j'ai posé une question dans l'assemblée plénière, mais je ne voulais pas mordre du tout sur effectivement le sujet de demain quand je parlais de projet politique. Je voulais pas
parler de choses très concrètes. Je posais une question très très générale parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore complètement compris. Est-ce que pour vous, est-ce que pour la majorité des gens qui sont là, la décroissance est uniquement un comportement, disons, individuel à avoir devant une situation de crise? Donc une sensibilité effectivement que tous ces gens ont pour, par rapport à cette crise, ou est-ce que il y a la volonté, une volonté simplement derrière, derrière cette décroissance d'avoir envie de changer effectivement, de façon très générale, hein, d'avoir envie de changer cette société, quoi. Ou alors est-ce que ou c'est juste un comportement individuel à avoir? Je pense que j'ai un peu expliqué tout à l'heure, pour moi il y a dans beaucoup de réunions que je fais ou de conférences, etc., il y a des gens qui considèrent que ça doit être seulement une attitude individuelle. Ça va jusqu'à des caricatures comme des conférences entières sur comment se torcher le cul sans papier cul. Enfin, non, j'exagère à peine. J'exagère à peine. Et ça me paraît absolument sans aucun intérêt, je veux dire. Ou d'arrêter son robinet quand on se lave les dents, d'avoir des lampes. À longue consommation, non, basse consommation, pardon, qui revient au même d'ailleurs. Basse consommation, moi ça ne m'intéresse pas du tout d'une certaine façon. Encore une fois, c'est moi ce qui m'intéresse, et dans le boulot que je fais avec la revue et dans les rencontres que j'ai, c'est de provoquer chez ceux qui veulent bien être provoqués là-dessus, pourquoi ils font ce qu'ils font ? Dans leur boulot, s'ils sont salariés, pour moi c'est évident qu'au bout du compte, l'idée de décroissance implique une sortie du salariat, par exemple, tu vois. Et je peux m'en expliquer là-dessus. Et en même temps, il y a des gens qui ne peuvent pas le faire pour l'instant. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire ? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse qu'ils me disent des choses sur leur activité actuelle, sur pourquoi ils sont dans cette activité, pourquoi il leur semble impossible de changer d'activité, quels sont les obstacles à ça. Ça m'intéresse. Pour inventer quelque chose, pour se mettre dans une situation créative par rapport à leur propre trajectoire, là où ils en sont, quel âge qu'ils aient, tu vois. Voilà, ça m'intéresse. Et ça, à mon sens, c'est un intermédiaire entre la réflexion, le pour-soi individuel et le politique. Tu vois, puisqu'on inscrit son existence dans une activité, on la remet en question. Combien de gens nous disent, après 30 ans de je ne sais pas quoi, dire, mais je me suis gouré, j'ai loupé ma vie, quoi. Et c'est merveilleux quand quelqu'un ose dire ça publiquement. Tu vois. Moi, j'ai envie de l'embrasser, cette personne. Et quand il dit pourquoi, évidemment. C'est-à-dire, à quel type de conditionnement il a obéi, qui l'ont amené à ça, et comment il a pris conscience que ça ne collait pas, et que ça ne collait pas par rapport à une norme morale qu'on lui donnerait de je ne sais pas où, mais par rapport à sa conscience réelle en tant qu'être humain. D'accord. Et en tant qu'être humain non isolé des autres, bien entendu. C'est-à-dire, et ça veut dire qu'on serait capable de créer de la parole collective. C'est-à-dire de rebondir, non pas de garder pour soi ce qu'on a à dire et qu'on attend son tour de parole, mais d'être sur la spontanéité. Et elle va changer, puisqu'elle va parler maintenant, par exemple. Et donc, ce que tu avais préparé, ça ne va plus coller. Donc, ça veut dire qu'il faut inventer, dans la manière d'intervenir, quelque chose qui fait lien avec ce qui précède. Et là, on est véritablement dans ce que j'appelle, on est dans l'espace et dans la relation, et on n'est plus dans le temps et l'argent. C'est vrai, en termes de métaphysique, philosophique, tu as raison, la catastrophe a certainement commencé avec le monothéisme, etc. Mais celle dans laquelle on est n'a aucune commune mesure avec celle qu'ont vécu nos prédécesseurs. C'est-à-dire que là, c'est la survie de l'humanité qui est en jeu. C'est la disparition des espèces, c'est la disparition de l'humus, c'est un état. On va être obligé à avoir un état totalitaire de façon ad vitam aeternam pour faire du tuning, parce qu'on va avoir un état total, une société totalement artificielle, puisque l'État va nous obliger à vivre dans des zones contaminées, dans des zones dangereuses, parce que c'est trop cher pour se reloger à l'heure, et puis parce qu'ailleurs ça sera aussi contaminé. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Première idée. Deuxième idée, alors ça, par contre, je suis beaucoup moins sûr de moi, c'est que je pense, souvent je dis, il faut savoir s'opposer aux produits pour mieux s'opposer aux modes de production. C'est-à-dire que moi, je mets d'abord en avant la lutte contre les produits.
les OGM, le tout bagnole, pas la bagnole, le tout bagnole, les pesticides, etc., etc., qui, etc., plutôt que le capitalisme, etc. Puisque ça, ça fait 150 ans qu'on entend ça, et si la révolution bourgeoise était la seule révolution qui a réussi, nous, notre révolution, enfin celle des gens, des salariés, ça, elle a échoué. Ça a toujours amené des dictateurs, etc. Parce que d'abord, on a confondu le politique avec la communauté. C'est-à-dire, la révolution bourgeoise, c'était une révolution sociale à un politique qui avait pour but de faire mettre une adéquation entre un droit et un mode de propriété, alors que nous, ce qu'on veut, c'est recréer une société, recréer une communauté. Et donc, le politique, c'est un pur moyen, c'est un Kleenex, excusez-moi, un mouchoir, j'ai fait une erreur. C'est un mouchoir, c'est un moyen, c'est tout. Donc, c'est sur cette chose-là que je voulais dire. Et donc, c'est une question. Est-ce qu'il ne faut pas mieux s'opposer aux produits? Mais nous avons échoué à créer des grands mouvements antinucléaires, des grands mouvements contre les OGM, même s'il y a eu quand même pas mal de choses. On a quand même, pour l'instant, échoué. Ou est-ce qu'on doit reprendre l'ancienne les trucs? Ou alors, et dernièrement, et j'en aurais fini, est-ce que si on s'oppose aux produits, on ne s'oppose pas au monde qui va avec? Et est-ce qu'il ne faut pas commencer comme ça? Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Oui et non, parce que si vraiment on veut approfondir, je pense qu'il faut prendre un peu de temps. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi quand tu parles de la catastrophe comme tu en parles, bien sûr que je le sais, et en même temps quelque part ça me paralyse. Ça, je me dis, bon, bah, de toute façon c'est plus la peine d'essayer de rien vouloir faire parce que c'est déjà trop tard. Donc en même temps, bon, je fais, j'essaye de faire. Je suis dans ce que disait Jean-Claude tout à l'heure. Moi, je discute beaucoup avec des gens autour de moi qui ne sont pas du tout militants, qui ne sont pas du tout engagés dans les mouvements et qui se posent des questions qu'on se pose aussi sur comment concilier le refus des produits, effectivement, par exemple, un certain nombre de produits qu'on trouve en grande surface ou un certain nombre d'obligations qu'on s'impose à nous-mêmes. Comment concilier ça et en même temps rester dans la société? Comment concilier cette prise de conscience du fait que... le mode de production actuel ne convient pas, ce qu'on est en train de faire subir à la planète, c'est vraiment très dangereux, et du coup, ce qu'on est en train de se faire subir à nous-mêmes, c'est très dangereux pour nous-mêmes et pour ce qui nous entoure, et en même temps, rester dans le mouvement social, enfin dans la dynamique sociale plutôt que le mouvement social, c'est la dynamique sociale qui fait qu'il y a des... peut-être qu'on se les impose, mais... il y a des heures où on emmène les enfants à l'école, il y a des heures où on va au travail, il y a toute une forme de routine qui s'est mise en place. Et comment réussir à sortir de cette routine, c'est vraiment un problème. L'intérêt à court terme qui fait qu'on est le nez sur le guidon et puis que les gens continuent, ou est-ce qu'il y a vraiment une impossibilité structurelle d'époque à pouvoir faire se rapprocher les menaces et la réponse. Et puis, juste une autre chose par rapport au catastrophisme, je ne vais pas développer plus, mais il me semble que c'est un des aspects qu'on ne veut pas voir et qui fait qu'on continue avec cette espèce de tâche aveugle dont on a connaissance théoriquement, mais qu'on ne veut pas, en fait, à laquelle on ne peut pas. Vous permettez que je fasse écho à ce que vient de dire Marie-Dominique? Parce que, deux choses, parce que tu as posé une question qui m'est directement dans la première partie. Dans la seconde partie, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, c'est assez curieux comment, d'un point de vue historique récent, si tu veux, on est passé effectivement d'une critique du développement, je repense au colloque de Lyon, et de Paris, de l'UNESCO, à la décroissance. Et comment a été évacuée très rapidement, par le slogan de la décroissance, la notion d'après-développement. Qui, pour beaucoup de gens qui sont dans les mouvements de la décroissance, ils ont rejeté ça comme quelque chose d'incompréhensible. Et probablement que cette incompréhension vient de la non-prise de conscience de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nous sommes encore dans une société sacrificielle, et que globalement, à l'état planétaire, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les victimes sont de plus en plus nombreuses, elles le sont directement et indirectement. Inutile de faire l'inventaire là aussi, on pourrait passer des heures, vous le connaissez comme moi. Le plus récent aujourd'hui, le plus actuel, disons, Martine, mon épouse, s'occupe directement de ça dans le Vaucluse avec quelques amis qui sont là, c'est
c'est les expulsions des sans-papiers et des enfants de sans-papiers qu'on vient chercher à la sortie des écoles, qu'on vire, etc., qu'on fait dans un avion. Bon, c'est un gros boulot que de réagir par rapport à ça, que d'appliquer des politiques locaux par rapport à ça. Elle a organisé il y a 15 jours à Vaison-la-Romaine, on habite pas très loin, qui demandait un gros travail de téléphone direct. Les politiques ne veulent pas s'appliquer sur ce quelque chose, c'est-à-dire sur ce sacrificiel non perçu et non conscient. C'est à cause de ça qu'ils sont prêts à signer toutes les pétitions du monde pour ces pauvres Tibétains qui sont parmi les sociétés traditionnelles les plus cruelles qui existent au monde. Et ils sont tout à fait prêts à signer pour le Tibet contre les Chinois. Et ils ne sont pas prêts à signer pour l'enfant marocain qui habite dans leur village, qui habite dans leur petite ville et qui va être expulsé le lendemain au nom des lois iniques que tout le monde accepte et que personne ne descend dans la rue pour ça. Pour descendre dans la rue aujourd'hui, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut organiser une gay pride, comme il y a eu lieu à Paris. Là, il y a des 500 000 personnes dans la rue. Ça aussi, c'est un signe tout à fait anthropologique, tout à fait intéressant. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Quant aux raisons, les trois autres raisons, je pense que c'est les trois ensemble. C'est vraiment un mixte des trois. Et par contre, il est possible que, quand d'une manière plus spectaculaire, je dis bien au sens spectaculaire, va arriver ce qui nous pend au nez maintenant, à travers en particulier deux éléments sur lesquels les gens, je veux dire vraiment tout le monde, hein, on rencontre dans la rue, sur deux aspects précis de la vie, c'est la santé et c'est l'alimentation. Ces deux aspects-là, tout le monde est touché par ça. Quand effectivement... alors on nous dit, mais vous allez souhaiter une catastrophe spectaculaire. Je ne peux pas la souhaiter. Mais par ailleurs, en réfléchissant, je me dis que, effectivement, si à Bolène, alors, j'habite à 35 km, les je ne sais pas combien de kilos d'eau uranifère qui se sont déversés 75. Dans. Hein 75. Oui, ça a diminué après avoir augmenté. Enfin bon, de toute façon, c'est transparent, on le sait bien, le nucléaire, ce n'est pas dangereux. Hein, c'est ce qui nous serine tout le temps. Bon, si ça avait pété un peu plus fort, avec effectivement des centaines de morts et une évacuation de deux départements, il est possible. Je dis bien, il est possible. Je n'en suis pas certain. Car le problème de notre anesthésie, il est là, si tu veux. C'est qu'on est touché de plus en plus par mille choses. C'est-à-dire qu'on est blessé, nous, hein, gens un peu conscients, on est blessés tous les jours par des centaines de choses. On a plein de blessures de tous les côtés, dans notre tête, sur notre corps, à l'intérieur, etc. Mais ça cicatrise très vite, parce que dans le même temps, on est bombardé par une série d'informations qui recouvrent les précédentes, parce que la pensée n'arrive pas, elle est quasiment plus lente, par définition elle est lente la pensée. Réfléchir, vraiment penser, c'est long, ça demande beaucoup de solitude, ça demande beaucoup de travail, vraiment un gros boulot, hein. On est quelques-uns à en faire, sinon notre profession du moins a passé beaucoup de temps à ça, c'est vraiment long, quoi. Et donc il y a un décalage temporel, si vous voulez, entre la catastrophe qui pourrait nous enseigner, les leçons qu'on pourrait en tirer, et la rapidité avec laquelle les nouvelles informations arrivent, etc. etc. Voilà un peu l'idée générale. Michel Gilles-Quinet, donc grave groupe de recherche d'action politique écologique, président. Elle sera demain là ? Elle est là, elle est arrivée. Qui sera demain ? Voilà. Alors, c'est Michel. Et puis, voilà, je refais. Voilà. Oui, vas-y. Voilà. Tout le monde va me voir dire, tout le monde ne connaît pas ce qui se passe en Belgique. Oui, parce que, donc, je m'appelle Robin, je viens de Belgique, donc vraiment un nom précisément. Je suis venu donc ici en rencontre Objecteurs de croissance en France avec Réginald de Podesta de Wallet, qui a dirigé la liste politique Vélorussion pour Bruxelles à Lisbonne en 2017. Et Michel Gilles-Quinet, qui est président du GRAP, le groupe de recherche d'action politique écologique. On va décider de lancer également l'introduction de croissance en Belgique. C'est d'ici un certain temps. Sur ce qui a été dit, je dirais que c'est vrai que le problème anthropologique est une problématique essentielle dans ce qu'on discute. Et je crois qu'en lisant aussi un livre qui m'a assez parlé, c'est Frédéric Lenoir, qui est un écrivain français de Paris, qui a écrit un titre, Le Christ philosophe. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre le thème philosophe. Hein, c'est pas du tout ce qui vient à contre. Et il dit très bien dans son bouquin que les sociétés passées, on parlait des sociétés aztèques, comme
Madame le précisait très bien, qu'on vit peut-être dans une société globalisée un peu à la steak, peut-être. Je fais peut-être un peu un jeu de mots derrière ça, mais je crois qu'il faut qu'on puisse proposer à travers le mouvement de la décroissance qu'on va proposer, un mouvement, c'est vrai, qui se veut, entre guillemets, hautement philosophique aussi, parce que des personnes comme vous, des intellectuels, des personnes qui pensent régulièrement, qui pensent souvent, donc qui ont une capacité de raisonnement philosophique, c'est ce que je veux dire, donc interviennent pour faire changer les choses, je crois que c'est essentiel. Mais c'est comment arriver à ce que cette logique sacrificielle soit mise de côté. C'est tout à fait le problème, je crois que c'est vraiment une thèse centrale. Donc c'est comment arriver à ce que l'économie devienne humaine, c'est faisable. Les sociétés où l'économie existait, les gens n'ont pas vécu leur économie. C'était ça le problème, c'est que des gens dans certaines sociétés ne percevaient pas directement qu'ils vivaient l'économie, mais ils la vivaient à leur manière. Et c'est de ça le problème. Quand on voit des sociétés traditionnelles, des sociétés en Asie ou quoi, ils vivaient leur économie par leur activité de la terre, par les aliments qu'ils produisaient, par les aliments qu'ils distribuaient, mais il n'y avait pas cette rationalisation de l'économie qui est arrivée par après. Très récent. Voilà, qui est très récent dans les sociétés qui sont arrivées. Et donc, c'est comment arriver à retrouver cette économie qui se vit sans qu'on en prenne spécialement conscience le jour. Voilà, en gros. Moi qui ai vécu la fin du néolithique, c'est-à-dire des années. Je suis né en 1938 et j'ai vécu jusque pendant 4-5 ans, pendant la guerre, j'étais tout petit chez des paysans et j'ai vécu cette époque-là. Ils étaient dans cette économie locale, l'argent circulait très très peu, ils savaient quand ils coupaient un arbre, ils en replantaient un, etc. Et Gilbert a parfaitement analysé ce phénomène dans son très beau livre qui s'appelle « Que je vous recommande tous », il y en a encore qui ne l'ont pas lu, « Le développement, histoire d'une croyance occidentale », et Marie-Dominique travaille aussi avec lui depuis longtemps, et je suis ravi de travailler avec eux dans le groupe des croissances de la ligne d'horizon. Voilà. Je crois que si je parle, je n'ai pas joué le jeu du tout, dont tu parlais tout à l'heure, parce que c'était beaucoup en réponse à, je ne sais pas comment tu t'appelles, voilà, tu parlais. Ça peut se lier. Donc, je vais essayer de trouver le lien, mais ça va pas être facile. Non, mais c'est... Bon, tout à l'heure, tu parlais effectivement de t'attaquer... Si, mais je crois que je vais découvrir. Tu parlais de t'attaquer aux produits avant tout, et j'ai l'impression que derrière ton argumentation, tu contestais un petit peu le fait de repenser politiquement, effectivement, un type de société. Tu pensais que ça... J'avais l'impression que tu pensais que ça pouvait suffire, effectivement, de réagir au coup par coup aux excès de notre société. Effectivement, on s'attaque au nucléaire, on s'attaque aux OGM. Et donc, je voulais simplement répondre, mais très très brièvement, que quand quelque chose ne fonctionnait pas, je pense qu'il y a une certaine logique à vouloir essayer de démonter le système pour voir, effectivement... d'où vient le problème et de chercher les causes, quoi. Et bon, moi j'ai l'impression, alors on n'est pas obligé pour ça d'avoir une logique marxiste comme par le passé, d'en venir effectivement à des notions de révolution passéiste et tout, mais je pense qu'on sait aujourd'hui que les problèmes, l'urgence environnementale, les problèmes qu'on a de au niveau écologie ou les problèmes sociaux, les dégâts humains parler après, ces deux causes viennent effectivement d'un système productiviste. Alors là, je fais bien attention de ne pas employer des mots effectivement qui pourraient être marxisants, d'ailleurs je ne le suis pas, mais en tout cas il y a un système productiviste qui fait un dégât sur l'environnement, qui fait un dégât sur les hommes, et ce système, on peut essayer de le démonter, d'essayer de trouver, d'inventer quelque chose d'autre à la place. Je pense que ce n'est pas suffisant d'avoir effectivement un comportement individuel ou même d'avoir des luttes ponctuelles sur certains effets de ce système. Il faut forcément remonter à la cause des problèmes. Pour essayer, si on veut être efficace, quoi. Plus. Je pense avoir compris ce que disait Jean-Luc en disant arrêtons d'utiliser des grandes abstractions théorisées par le passé, ouais, dont on sait très bien qu'on s'est toujours fait avoir, entre guillemets. Le mouvement ouvrier s'est fait avoir, évidemment, à chaque fois. C'est toujours les plus démunis culturellement qui se font avoir les premiers, c'est clair. Je voudrais rajouter un petit quelque chose par rapport à ça. Je suis aussi d'accord pour dire attaquons-nous davantage
aux possibilités d'action qu'on a, c'est-à-dire sur le produit au sens de la résultante de quelque chose, plutôt qu'à la superstructure, en gros, pour reprendre des termes marxistes, effectivement. Mais je voudrais rappeler une chose qu'on oublie toujours. À l'échelle planétaire, nous sommes très peu nombreux à vivre dans ce, dans ce modèle dominant. La majorité des gens vivent, la majorité de la population du monde vit en dehors. On nous fait, ça il faut jamais l'oublier, on nous fait croire qu'on est tous dans le même... C'est ce que j'évoquais en disant, on vit tous à la même époque, on est tous contemporains, mais on ne vit pas à la même époque. C'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Et ça, c'est très très important de ne jamais l'oublier. Les gens que j'ai rencontrés, que je vais rencontrer, l'Amérique du Sud ou d'ailleurs, etc., me racontent des choses ben, qui me font penser à moi ce que j'ai vécu, effectivement, à la fin du néolithique, si vous voulez, pour simplifier, pour aller vite. Et il y en a beaucoup. Il y a des paysans qui continuent à vivre cette vie, entre guillemets, traditionnelle. Et effectivement, on détruit en permanence, etc., etc. Mais peut-être, j'en suis convaincu, que c'est par ces personnes-là qu'il faut entendre et qu'il faut écouter, qu'il faut aller voir, qu'il faut inviter, etc., que aussi il y a une possibilité, une issue de secours d'une certaine manière. Voilà, je voulais un peu rajouter ça qu'on oublie trop souvent. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Dominique ? Non, c'est pas d'accord. J'ai pas mal pratiqué de l'écologie, les aspects pratiques, certains aspects pratiques depuis 40 ans. Donc, que ce soit les réseaux de voisinage à Paris, création des crèches autogérées parentales, je me suis occupé, et des tas de choses, Aldea, les clubs alternatifs de l'épargne, etc. Et là, par rapport à pourquoi ça ne se fait pas, moi je pense deux choses, je me trompe peut-être, mais que chacun d'entre nous, et la population en général, sent ce dont on parle. Ça c'est un a priori comme ça, je pense que tout le monde le sent à un niveau, et je l'ai constaté par exemple sur mon immeuble à Paris, où j'ai l'idée de casser l'isolement au niveau de la cage d'escalier, ça s'est fait, et à ma grande surprise, les gens avec leur attaché de caisse, en me disant avec les images a priori qu'on pouvait avoir, ce type-là il est complètement dans le système, son truc, etc., pas du tout. Ce sont des gens qui, au contraire, proposaient tout de suite de repeindre le balcon de la voisine, de repeindre quand il y avait le ravalement, etc. Donc, ça, je pense que la plupart des gens l'ont. Et il y a un gros conflit chez les gens. Ça, j'ai aussi fait des enquêtes, à un moment, pour gagner du pognon, des enquêtes non directives dans les années 60. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait ces conflits très forts. Donc, la pub va récupérer ces trucs-là. Pour pouvoir ensuite vendre, hein. C'est-à-dire la pub va dans l'inconscient des gens pour récupérer. Alors ça, c'est la première partie de ce que je voulais dire. Deuxième partie, c'est que dans mon quartier, par exemple à Paris, ces histoires de réseaux de voisinage, tout le monde partait, énormément de gens avaient envie, c'est-à-dire le désir sortait, avec réifié par des choses à faire, mais ce qui est... Alors tout le monde se réunissait... Moi, je sais faire ceci, je sais faire cela, donc les petits groupes. Mais le premier écueil, c'est que les gens n'étaient pas capables, justement, de concrétiser quelque chose, la plupart du temps. Réunissaient à 4-5, sauf dans des groupes où il y avait un peu des spécialistes, des modérateurs qui savaient un peu. Donc, il y a une espèce de un problème de comment on fabrique les cellules souches à l'école et dans notre société en général. Hein. C'est-à-dire qu'on fabrique des gens qui ne vont pas être capables de réagir et de sortir ce dont on parlait, il me semble que tu exprimais tout à l'heure, à travers des mots comme poésie, etc., de sortir ces choses-là. Hein. On est programmé et on nous a mis des limites, et c'est très difficile probablement aussi peut-être de communiquer avec d'autres. Hein. Au niveau ethnologie, je ne sais pas, je n'ai pas assez de copains ethnologues pour poser la question comment ça se passe dans d'autres sociétés. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ce qui me frappe, et peut-être ça permet d'avancer un petit peu en reliant les diverses choses, si beaucoup, sinon tous, tous les gens, pour employer ton mot, pressentent toutes ces questions-là, parce que l'inquiétude est sourde, elle existe dans longtemps, la société. C'est pas depuis 5 ans, mais ça dormait. Oui, tout à fait. Et tout le problème retombe sur une des choses sur lesquelles j'ai insisté tout à l'heure, la capacité de parler la chose. Mais la parole au sens poétique du mot. Quand, dans un réunion de quartier, que tu évoques, moi j'ai vécu des choses équivalentes à Paris et ailleurs,
Il y a ce désir qui s'ouvre, tu vois, du groupe, etc., de casser les cloisons, de se mettre à échanger des pratiques, des choses de ce genre-là. S'il n'y a personne qui est en mesure de ressentir, d'écouter très intuitivement ce qui se passe à ce moment-là, à l'instant où ça se passe, et de mettre des mots dessus pour fabriquer la cellule souche qui va ensuite se développer, s'il n'y a pas cette capacité de parole, il ne se passe rien. Et les gens vont se replier de nouveau sur eux-mêmes. Est-ce que c'est compréhensible ce que je dis? Donc c'est très lié à notre capacité, mais vraiment je dirais linguistique au sens fort du terme, de trouver au bon moment avec la personne en face de nous, non pas de lui asséner nos convictions avec notre vocabulaire à nous, mais quand on est dans ces genres de situations, vous pouvez développer une capacité que parfois j'ai et que parfois je n'ai pas. Avant même que tu dises quelque chose, je sais ce que tu vas dire. Non pas tes mots à toi exactement, je sais sur quelle sensibilité tu es si je suis très attentif en te regardant et à 2 mètres, à 3 mètres, pas en te collant ni à 25 mètres. Et là, je vais dire un mot, tu vas rebondir, paf, 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 et puis on va se dire, tiens, on a quelque chose à se partager. Qu'est-ce qu'on aura partagé? D'abord, de la parole qui a été capable de parler une intuition qui peut devenir commune, qui peut devenir collective et qui peut s'étendre. J'en ai fait l'expérience. Jean-Claude, il n'a pas fini. Je sais. Donc, il n'est pas tout à fait fini. Et justement, je me posais la question par rapport à ton intervention tout à l'heure. Est-ce que je connais de la décroissance qui me paraît effectivement enfoncer des portes ouvertes, hein? Mais seulement ce que je vois, c'est ce que je comprends, je ne sais pas si c'est ça, c'est qu'il y a ce désir actuellement par rapport à ces paramètres écologiques et ces critiques de la société qu'on a réduit à ce mot décroissance qui serait une espèce de mot culte, c'est d'essayer de trouver quelque chose, un espèce de corpus idéologique et rationnel, philosophique, pour le justifier. Et ça, est-ce que c'est le bon choix pour agir? Est-ce que c'est le bon moteur? Est-ce qu'on ne reproduit pas, là encore, et ça c'est simplement une question, je ne sais pas, un processus qui va faire qu'il y a un certain contentement, un certain confort idéologique, mais est-ce que c'est le bon moyen pour agir? Je ne suis pas certain. Peut-être qu'il le faut aussi. Donc là, il y a des questions stratégiques là-dedans, pour bien comprendre ce qui se passe, effectivement, parce que la question est urgente. On n'est plus en 1960, où tout était ouvert, hein, mais on est à minuit moins 5. Hein. À mon avis, pour moi, en 70, on avait 30 ans. On le savait. Et c'est pour ça que moi-même, je me suis beaucoup investi, parce que je le savais, mais je ne savais pas que la société allait rester très inerte. Hein. Jusqu'à, à mon avis, en France en tout cas, il y a 4-5 ans, où ça commence à bouger un peu. Ce que j'attendais beaucoup. Je me dis, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Et donc, quels sont les outils pour agir? Là, donc, c'est une question de stratégie. De stratégie et de voir qu'on est en guerre. Hein, c'est vraiment, on a un mur, on a les tanks qui arrivent en face, parce qu'ils ne sont pas des tanks, ils sont sous une autre forme, évidemment. Hein. Et comment est-ce qu'on peut faire? Parce que si on reste 10 ans à se fabriquer une idéologie, alors il faut trouver comment faire par rapport à l'action. Okay. Voilà, par rapport à. Allez. Moi, je voulais finir sur ce que vous disiez tous les deux, mais par rapport et que la pensée est lente. Mais je pense aussi qu'il nous manque les espaces et le temps, enfin les espaces-temps, enfin surtout en contexte urbain. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens ou des gens qui vivent dans des grandes villes, mais tout l'espace en fait et le temps. Et à l'image de ce modèle du système néolibéral, donc l'espace à Paris, soit on circule, soit on consomme, soit on se divertit, mais tout est, il n'y a pas d'espace-temps liberté collective, hein, de liberté même aller se ressourcer. Moi je sais par exemple, je vais me promener au cimetière du Père Lachaise, mais c'est un des rares, et je vais dans les squats artistiques où il y a des repas de quartier, des choses comme tu dis, mais qui sont en train de fermer les uns après les autres. Il y a une politique actuellement de fermeture et de répression de ces espaces-là informels. Et donc c'est un peu comment dans notre quotidien, surtout en contexte urbain, on fait pour trouver ces espaces-temps. Et voilà, donc c'est le premier point. Et je réfléchis de plus en plus à une des solutions qui pourrait être justement la pensée nomade. Et j'ai lu récemment
les zones autonomes temporaires d'Hakim Bey, qui parlent de ces, en fait, d'espaces qui, enfin, un peu de, d'émergence, qui ne tiennent pas, qui sont temporaires, mais qui lancent des choses, des idées, des pratiques nouvelles. Donc voilà, quelque chose de plus fluide et de plus nomade pour s'opposer un peu à ce côté formel et... C'est en cours, hein, c'est en train de se passer. C'est un peu, voilà. On puisse faire une synthèse de temps en temps, sachant qu'au départ, la question c'était quels sont les points communs, qu'est-ce qui nous rassemble, etc. Ce serait bien d'y répondre d'une façon ou d'une autre de temps en temps, au moins d'essayer d'y répondre. Première chose. Deuxième chose, suscite attention. Moi, à la différence de toi, je serais plutôt marxiste. Enfin, j'aime pas ça, c'est une horreur hein, de dire ça, bien sûr, mais j'aime bien ces méthodes d'analyse, et c'est suite à l'application de ça que j'en suis arrivé à me poser cette question, qu'on soit clair. Et je pense qu'on peut s'opposer, moi j'étais membre aussi de l'ACNM, Association contre le nucléaire et son monde. Je pense qu'un produit, il est lié à un monde qui l'a produit. Voilà. Et quand tu importes un produit, ça nous amène au pays en voie de développement, et ben tu importes aussi la façon de vivre, la façon de penser de ce pays. Ça c'est une analyse très, excusez-moi, quelle horreur, barbarisme, marxiste. Mais moi j'aime bien, voilà, fermons la parenthèse. Mais pourtant, et c'est une question, bien sûr, c'est une question, mais bon, il me semble qu'effectivement, au lieu de faire comme on a fait pendant 150 ans, on pourrait, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs depuis les années 60, c'est ce qu'on essaye de faire. T'as de plus en plus de mouvements qui s'opposent plutôt aux produits et en même temps au monde qui va avec, plutôt que ce qu'on avait fait avant, il me semble, c'est une question. Après, j'ai pas tout à fait fini, donc c'est une question stratégique en fait. Après, il y avait, oui, pour répondre à ce que tu disais, Jean-Claude, moi je pense que les gens, il y a un très bon bouquin qui a été écrit par Roger Belbeoc et Bella Belbeoc, qui s'intitule Tchernobylous, dans lequel il montre que les gens, ce qu'ils veulent, c'est face aux catastrophes, et bien paradoxalement, ils veulent être rassurés, ils veulent que l'État leur mente, ils veulent qu'il y ait une désinformation, ils veulent surtout pas avoir le blues, parce que dans ce monde-là, il faut pas avoir le blues, il faut être distrait, et il faut leur mentir, ils veulent ça, j'ai bien peur, et c'est ça en fait notre problème, c'est qu'il y en a 92% qui ont voté pour des productivistes, pour des gens libéraux aux dernières élections, ce qui fait une partie importante, majoritaire de la population, 92 fois, je ne sais pas combien, il faut faire un pourcentage, et c'est ça qui est inquiétant. Et ces gens-là, plus on va dans la crise, vers la catastrophe, et plus ils veulent être rassurés. Ils ont peur, ils veulent surtout qu'on leur mente. C'est ça, moi, ce qui me fait peur. Hein. On va venir au produit dont on parle depuis un moment. Je me demande toujours si ça ne serait pas une bonne idée à chacun individuellement, devant la situation de devoir acheter quelque chose, de bien distinguer le besoin et l'envie. Par exemple, moi je fais ça, c'est un exercice très intéressant, c'est dire est-ce que j'ai besoin de chaussures ou est-ce que j'ai envie de chaussures. Et quand on fait cette petite analyse et qu'on s'est entraîné à ça, on va vite vers j'ai pas besoin. Moi, j'ai 43 paires de chaussures que j'ai achetées à Emmaüs, j'ai pas besoin de chaussures. Et en fait, on se rend compte que l'envie, c'est souvent pour réparer un petit mal-être, une petite déprime souterraine, une petite angoisse métaphysique naissante, un petit trouble comme ça qui vous fait mal. Et alors, on va acheter un petit pullover rouge, par exemple. Je dis n'importe quoi, un petit gilet rouge. Et je ressors du magasin très content d'avoir acheté un petit gilet rouge. Et pendant l'espace de quelques instants, et souvent même, je ne suis pas encore rentré chez moi que ce petit gilet, je ne l'aime pas. Je le trouve moche et je regrette d'avoir dépensé 47 euros pour l'avoir. Alors ça m'intéresse parce que, alors par rapport au produit, ben je trouve que c'est un exercice très sympa. Et en même temps, on se rend compte que finalement, quand ça dure un peu dans le temps, cette notion de besoin, elle devient essentielle. C'est de quoi j'ai besoin. C'est une manière de politiser le désir, dont tu parles. Voilà, c'est voilà, si vous voulez, docteur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quoi, alors que le système marchand nous fait rentrer dans l'envie, et surtout dans le plaisir. Notez toutes les pubs qui vous sont envoyées ou les questions. Faites-vous plaisir. Il y a des mecs, leur métier, c'est de vous faire plaisir.
Moi, je préfère d'autres procédés pour se faire plaisir. Et ça, c'est un bel exercice. Est-ce que j'ai besoin... Et alors là, quand on dit ça aux gens, on se rend compte que dans la presse, on dit les Français n'ont pas le moral. Ce qu'ils n'achètent pas. Mais c'est l'inverse. C'est parce qu'on n'a pas le moral qu'on achète. Et chaque fois qu'on est un peu en crise existentielle, alors ça peut être du chocolat, ça peut être aller au cinéma, ça peut être encore une fois... Moi, je trouve que les petits gilets rouges, c'est très très bien. On peut en acheter 5 ou 6 quand on en a envie, mais ça ne sert à rien du tout parce qu'on est dans le même état après avoir eu les 5 ou 6 petits gilets rouges. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On a tous bien remarqué. Oui. Oui. Bon. Ce que disait Jean-Luc répondait pour moi à la question posée, c'est-à-dire que je pense qu'on a en commun le sentiment d'une certaine urgence. Et je suis tout à fait d'accord que cette certaine urgence, on ne sait pas comment y répondre. Il y a tellement de boulot, on a tellement de boulot, justement pour clarifier ce qui est de l'ordre du besoin et ce qui est de l'ordre de l'envie. Quels sont nos vrais besoins ? Moi, je n'ai pas besoin d'un gilet rouge. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour respirer, pour me poser, pour me demander ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais avec les autres, comment on fait ensemble. J'essaye de militer, je me rends compte que partout, un peu partout où je vais, c'est drôlement compliqué de ne serait-ce que de parler ensemble et d'arriver à parler ensemble sans être agressif, sans fuir, en se mettant d'accord sur les choses essentielles. Enfin, un peu partout, je vois ça. Je me dis, bon, voilà, on a vraiment un boulot. Quand quelqu'un, enfin, par exemple, si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un, est-ce que parce que la personne n'est pas d'accord, c'est moi qu'elle remet en cause? Ou est-ce que c'est mon idée avec laquelle elle n'est pas d'accord? Je me rends compte que souvent dans les groupes, le problème, c'est que quand on arrive à un certain point du débat, c'est une histoire de reconnaissance. Et si l'autre n'est pas d'accord avec moi, quelque part, il ne me reconnaît pas. Et du coup, où ça monte en tension, où le groupe éclate. Enfin, c'est vraiment difficile de travailler tous ensemble. Ouais. Voilà, je peux m'arrêter là parce que... La culture du conflit. On a perdu complètement la conscience de ce que cela signifie et comment il peut être résolu. Parce qu'on n'ose pas aborder le conflit. Alors soit on fait semblant d'être gentil et en fait on ne l'est pas du tout, on en veut à l'autre, on mélange, comme tu viens de le dire très justement, la personne avec ce qu'elle dit, et des tas de choses de ce genre-là. Ça, c'est courant, tu vois. Alors que je crois qu'il faut recultiver la réalité du conflit, que vivre en société est conflictuel, par définition. Par définition, on veut tous le même petit gilet rouge au départ, encore plus aujourd'hui. Et puis, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas comme ça qu'on est heureux. Et puis après, on s'en veut, mais en s'en voulant soi-même, on en veut aux autres en permanence. On s'en veut de s'être fait avoir, on en veut à tout le monde, au monde entier, etc. Et cette récrimination contre le monde entier vient, à mon sens, qu'on ne sait pas gérer le conflit. Et on ne sait pas gérer le conflit parce qu'on ne sait pas le parler. Encore une fois, Tonton Freud nous l'a dit il y a bien longtemps, la civilisation commence quand deux grosses brutes qui se tapaient sur la gueule ont fait « oh, oh » en posant leur massue et leur truc et ont commencé à faire « oh, 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 oh ». Et au lieu de se taper sur la gueule, ils ont commencé à se parler. C'est une métaphore, elle est superbe. Et c'est parce qu'on a perdu cette dimension de la parole que beaucoup de choses se sont délitées. Je reviens sur mes dadas, mais... Il y avait autre chose que je voulais dire tout à l'heure, et puis dans ma première intervention, j'ai peut-être pas été assez claire. Parce que c'est vrai que dans les cercles militants, il y a des idées qui circulent et des idées importantes, et moi je me nourris. Mais mon souci, c'est... comment faire pour que ces idées soient audibles en dehors des cercles militants? Comment faire pour que finalement les uns et les autres se saisissent de ces idées et ne se disent pas, vu l'ampleur de tout ce qu'il y a, vu la complexification volontaire qu'on met par exemple dans les médias sur tout ce qui concerne l'économie, du coup il y a beaucoup de gens qui se dénient le droit d'être compétents sur ces affaires qui les concernent. Du coup, ils disent « Ah, ben, c'est des affaires de spécialistes, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas m'en mêler », et ils renoncent, et puis voilà. On a le sentiment de l'urgence et en même temps, on ne fait rien. Bonjour. Oui. Je suis des environs d'ici, je suis paysan, on a grandi à la retraite.
militant de la Confédération paysanne. Moi, ce que je voulais dire, pour tenter de, enfin, apporter mon point de vue sur voilà, pourquoi on ne bouge pas par rapport à tout ce qui se passe, c'est que l'homme a peur du vide. Et ce avec quoi il se remplit depuis des dizaines d'années, c'est de biens matériels. Et dans la mesure où on veut faire une décroissance de ces biens matériels, ce qui est indispensable, il a peur. Donc c'est pour ça qu'il se ferme les yeux. Donc ce qu'il faut essayer de mettre en avant, c'est des biens qui sont infinis, que chacun pourra prendre et développer le plus possible, et qui n'ont pas de limite. Donc c'est ce qu'on a parlé, bon, je voyais la spiritualité, la convivialité, il y a plein de choses qui ont pas de limite. Et c'est ça, je crois, qu'il faut qu'on donne. Et en plus, ça nous apporte beaucoup plus de joie donc, que les biens matériels. Bien sûr. Et les militants doivent être des gens heureux. Donc, je me permets, la hiérarchie est crue, parce qu'ils sont là, en plus, il y en a deux, c'est lui et lui, là. Ils ont inventé un truc à Lons-le-Saunier et lui à Lons. Enfin, dans le Jura, globalement. Allez-y, j'aimerais bien que vous en parliez. Qui Non, mais il faut le dire maintenant, qu'il y a une forme, si tu veux, de relation aux autres dans la rue, etc. Allez-y. C'est vrai que tu peux rejoindre. Je l'ai demandé peut-être la parole à un moment ou à un autre. C'est vrai, ce problème de la parole. Pas avoir peur de parler, et éventuellement, on sait bien qu'on a une difficulté de faire ce qu'on appellera, par exemple, dans la TAC, dans d'autres mouvements, l'éducation populaire. Comment arriver à aller parler, chose qui nous tient à cœur. Hein, bon. Alors, c'est vrai que, moi je voulais juste reprendre la petite historique hein, par rapport à ce qu'on vit. Étienne demande, et je me demande ce qui est en commun entre nous. Donc, c'est vrai que par rapport à ce qui s'était passé avant. Et c'est vrai qu'il faut laisser vivre, et heureusement, ça s'est vécu là, il faut essayer de pas trop de donner de direction hein, à des interventions et à savoir échanger la parole, ce qui est très difficile, puisqu'on est souvent dans le performatif. On a envie d'apporter sa conviction personnelle. Après, bon, ça donne des trucs hein, qu'on n'a pas envie, qu'on a vécu. Et je trouve encore que là, il y avait, avant, le performatif. Il faut que ça réussisse, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on trouve une solution pour qu'on s'organise, il faut qu'on arrive à être brillant et super dans notre questionnement, par exemple ici. Alors, ce qui nous tient en commun, chacun après peut trouver, mais c'est aussi une forme d'utopie. Hein, c'est bon, ça peut être par exemple le vide, là, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qu'est-ce qu'on construit, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va échanger. Alors, pour revenir à une sorte d'expérience concernant la possibilité de militer joyeusement, on a essayé de créer des événements à partir de la notion d'artiviste. Activiste et artiste. C'est-à-dire faire des actions qui se... Artiviste. A-R-T-I-V-I-S-T. Mais bon, c'est pas grave. On peut laisser tomber ce mot si vous voulez, c'est pas grave. Mais l'idée, c'était effectivement de retrouver de militer en s'adressant plus possible dans la rue, et en effet on a l'air un peu bête, sans effectivement de revendications principales, sociales et écologiques, tout ce qu'on veut. Donc on est parti sur une idée de militer, si on veut, pour la gratuité. Hein, ce que tu évoquais, une inutilité. La première, on a fait ça le 1er avril. Alors, on a demandé la... une subvention officielle pour effectivement essayer de faire ce qu'on appelait une fête de la bonne humeur, hein, bonne humeur populaire. C'est bien, quoi. Et c'est vrai que tout ce qui nous tient, en fait, comme élément idéologique, si on veut, c'est bon, la condamnation de la marchandise, condamnation de la consommation. Mais d'accord, ouais. Voilà, d'accord. Donc, ce qu'on a proposé, on avait proposé un marché du poisson, comme le marché du poisson d'avril, où on faisait, il y avait 80 stands d'échange d'objets inutiles, si on veut. Hein, c'est-à-dire que... Hein, d'échange d'une poignée de main. Ah, d'accord. Je te fais un sourire. Donc il y avait des stands échange de sourires. Mais hyper sérieux. Hein, échange de compliments. Vous êtes la personne la plus resplendissante, vous avez un langage, c'est formidable, vous savez tout organiser, vous êtes génial. Chop, photo, grand sourire. Toute la journée, effectivement, ça durait, bon, c'est presque 2 jours. Hein, oui, oui. Là-dessus. La dernière fois que tu es venu, donc c'est la première fois. Tout ce qu'on peut essayer de faire, ce qu'on n'a jamais fait la première fois.
une expérience de première fois. Donc, c'est pareil, on avait la bouffe gratuite puisqu'on avait une subvention. Hein, on a eu 3000 euros de Fourny. Enfin, Fourny, c'est notre président de la région. On a bien annoncé la couleur. On veut une subvention pour que ça soit bâti. C'est-à-dire qu'on mélangeait un peu grâce au poisson d'avril. C'est-à-dire qu'on demande une subvention, on va avoir demandé, on a eu deux ans, déjà, deux fois. Et donc ça marche. Le prochain thème, ça sera, et cette année, donc ça va être le 1er avril 2009, et la subvention, on va la demander bientôt, donc donnez-nous 3 000 ou 5 000 euros, cette année, on ne fait rien. Et ça va marcher. Et ça marche. Parce que, bon, c'est les mêmes thèmes qu'on cause, hein, c'est les mêmes thèmes qu'on cause, on va dire, qu'on cause, travail, domination, etc. Alors je rajoute, tu m'avais invité pour venir faire une conférence sur la décroissance dans leur bazar l'année dernière. Et on t'a. Ah non, mais c'était fantastique, j'ai joué le jeu évidemment. Il y avait des comédiens professionnels et puis des amateurs formés autour, etc. Et puis un podium, puis des gens autour, enfin, et j'ai fait ma conférence. Mais j'ai joué le jeu avec les comédiens qui étaient là. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi, j'étais heureux comme tout, tu vois. Heureux comme tout, mais il fallait improviser sur cette notion. Tu as été obligé de donner 20 euros à quelqu'un. J'ai été obligé de donner 20 euros à quelqu'un. Il y en a un qui a rajouté 20 euros. Ouais. Et on a arrondi à 50. Tu te souviens de la réaction? Il y avait 500 personnes, c'était sur un truc de pas de théâtre, mais sur une scène. Ouais, ouais. Et la personne était complètement ahurie. Et je dis, mais non, c'est pas pour rire, c'est vrai, on te donne 50 euros. Parce que j'avais demandé qui a besoin d'argent dans la salle. Carrément, quoi. Il y a une personne qui a levé la main et qui a dit, oui, j'ai besoin d'argent, elle a expliqué, etc. Attends, je vais juste finir là-dessus. Je comprends bien que c'est pas évident. Hein. Mais c'est formidable. Sur la gratuité, donc la première année, on a eu 1200 personnes, des gens du peuple, justement. Oui, des gens du peuple, des gens des HLM qui venaient parce que c'était gratuit, c'était annoncé comme. Ça, parce que c'était. Bon. On avait aussi le PS, des gens comme ça, qui ne comprenaient rien, bon, bien sûr. Mais donc, ajouter de la poésie et de l'action, etc., hein, se permettre ça. Et revenir sur un petit point de la gratuité. Et effectivement, des gens disaient, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je peux donner? On donnait des cartons, on donnait des trucs complètement inutiles, hein, des tas de choses. Il y avait quelqu'un qui donnait des nuages, enfin bon, un petit peu de bon, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'étais carrément choqué, hein, dans le fait que ça sert gratuit. Hein, c'est pour dire, effectivement, quand on veut essayer d'échanger les choses, expérimenter, ben, c'est comme tu disais, qu'est-ce qu'on va faire s'il se passe une situation comme l'argent dit? Qu'est-ce qu'on va devenir quand on n'aura plus d'argent, qu'on aura plus de, on sera démunis? Ah bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu cette expérience-là. Et j'ai trouvé que les réactions étaient intéressantes. La pause cadeau. Hein, on fait des pauses cadeaux. Là, on fait encore un festival le 30 juillet. Ah oui, mais encore un festival, mais sûrement dans ce festival. On en fait un, éphémère et pas cher. C'est un festival sur l'échange du don. Enfin, justement, la question du don, on ne se la pose jamais. Enfin, on ne la pratique pas, plutôt. On sait bien qu'on est tous utopistes, qu'on est tous un petit peu dans le même domaine, mood, etc. Etc. Mais là, on va avoir en pratique, c'est-à-dire qu'on apporte nos vêtements. Alors, l'an dernier, ça a bien marché parce que c'était surtout 5-6 filles qui étaient à peu près pareilles. Donc, là, tel que là, on va essayer d'avoir des fringues d'hommes, des pompes, ce qu'on a trop, en trop, et on se l'échange entre nous. Quoi, hein. On pourrait l'apporter aux puces, on pourrait l'apporter aux Emmaüs. On essaie de pratiquer cette question sur la valeur. Oui, c'est ça. Notre grand thème, c'est la question sur la valeur. Alors, après, c'est libre, c'est large. Est-ce qu'on a mis des petits ruban rouges autour d'un objet et on les pose à un endroit précis dans la ville. Et nous, on est là autour. Dans la rue. Dans la rue. On dit des bêtises, on fait rigoler les gens. Et on pose un objet, puis on dit aux gens, vous prenez-le. Mais si vous prenez un objet, il faut en apporter un. Et les gens ont compris, il y a un jeu, les gens apportent un objet et vous le prenez. Mais qui est-ce qu'il apporte? C'est qu'il a apporté, qui je dois remercier, mais personne. Ça ne vous regarde pas, on vous le donne. Et tout de suite, les gens ont besoin de savoir qui remercier. Oui, regardez ce qu'il y a. On va avec ça. Et puis qui l'a apporté, etc. Et est-ce que ça vaut cher, est-ce que ça vaut pas cher? Et tout de suite, les gens ont joué le jeu. Si bien qu'on avait même, à un moment donné, une voiture qui était stationnée devant nous, on avait mis le petit ruban sur la poignée. On a dit aux gens, c'est un cadeau, allez-y, prenez-la. Il y a des gens qui ont cru que c'était vrai. Le délire était total. Et même les policiers sont venus demander ce qu'on faisait, on leur a dit, bon, c'est un jeu et tout ça. Alors on leur a dit, mais est-ce que vous avez vos menottes sur vous? Je dis, oui, allez, posez-les là, on met un petit ruban et vous le donnez. Et tout ça, c'était un jeu et tout le monde s'est amusé et tout le monde était dans le questionnement.
Parce que les gens se demandent ce qui leur arrive, qu'est-ce qui nous arrive, que des gens... Là, pourquoi était concret, réel, avec des gens tout simples dans la rue, quoi. Oui. Ça, c'est facile à faire. Oui, mais on ne dit pas qu'on solutionne tout, hein. Non. À Paris, on fait des choses aussi modestes. Vous voulez... Oui, voilà. Oui, je rebondis justement là-dessus. Ah bon, d'accord, vous finir. Mais okay. Effectivement, est-ce que vous avez un dossier de candidature qu'on pourrait reprendre pour essayer aussi d'avoir des subventions sur Paris? Un modèle de dossier. Il faut des rubans. Oui. Non mais on n'a pas. Enfin, je pense pas qu'il y en ait. Mais on a. Il faut oser. Nous, on est bien tombé parce que c'était un fort niveau. Ben, c'était. Vous voyez à peu près qui c'était. On a osé. Puis on a foncé directement. On était sincères. On a dit c'est une fête de la bonne humeur, tout est gratuit. Bon, on a un petit peu d'idéologie en disant bon, vous voyez le monde comme il va, etc. Mais pas trop. Hein. Voilà. J'ai pas de modèle là précis. Non, vous avez peut-être fait un dossier. Il y a une année. C'était simple. Parce que la ville qui est UMP Pontin, elle nous a prêté une salle gratuitement, mais en échange, elle nous a dit qu'il faudra venir animer dans un café. Hein, un après-midi, le printemps des cafés. Donc, on a trouvé ça très bien, alors qu'ils avaient compris qui on était. On a dit, bah, d'accord, vous nous prêtez la salle gratuitement et nous, on vous donnera un après-midi d'animation pour faire les cons dans un café. Voilà. Et ça s'est passé très bien. Et cadeau-cadeau. Voilà. Cadeau-cadeau, il n'y avait pas d'argent, tout le monde était content. Et nous, on a dit ce qu'on avait à dire. Parce que là, on se sentait libre de dire ce qu'on avait à dire dans les cafés où on était. L'efficacité de l'audace, quoi, c'est ça qui paraît de votre affaire. Quoi. D'oser le truc, convaincu de la chose, on y va. Arrêtons d'avoir peur de quoi que ce soit, qu'on va être empêché, interdit. C'est pas vrai. Il y a des exemples où on peut faire ça. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti du mode d'entre nous. Quoi, hein, voilà. Bon, ça marchera peut-être pas tout le temps, hein, mais en tous les cas, il y avait du peuple et le fait de parler à des gens simples, c'est pas évident. Moi, je suis intellectuel aussi, donc c'est pas forcément donné. C'est pas donné, hein, du tout. Hein. Juste une remarque, ce qui fait passer le truc, à mon avis, c'est la date. Oui, c'est ça qui fait passer le truc. Oui, mais on a pu dire. Vraiment... C'est excellent, le choix de la date, forcé, excellent. Forcé. Oui, mais en même temps, on était soutenu par les questions de la consommation, mais ça, on le disait, les valeurs, la gratuité, le don, la critique de l'hyperconsommation, de l'hyperproduction. Ça, on l'affirmait quand même. Alors, il y a pour finir, excuse-moi, parce que nous, on a aimé, il y a une petite compagnie théâtrale qui nous apporte son concours, qui s'appelle La Muserie. Certains connaissent la Jurassienne de réparation. Non, non, ils se sont pas mis en nous. Alors c'est une cour de comédiens. À l'occasion de la dernière fête là, du 1er avril, dans la cour du local où on était, ils ont fait une espèce de démonstration incroyable. Ils ont mis les comédiens rentrent dans deux voitures, ils sont quatre dans chaque voiture. C'est très intéressant. Ils s'assoient dans la prochaine voiture et puis ils mettent les deux voitures comme ça face à face. Et le gars qui est au micro dit, voilà, vous allez assister à un frotti-frotta de voiture. Ouais, les gens disaient, ils vont pas oser. Au prix sur les voitures et la carrosserie, c'est pas possible. Et les mecs, tout doucement, ils avancent. Attends. Et les deux voitures se raclent, s'arrachent les rétroviseurs, rayent les portières, arrachent le... Qu'à la tête qu'elle fait. Arrache le pare-choc à l'avant et à l'arrière. Attends, et quand ils sont là, ils reviennent en arrière, ils en font de plus belle. Tellement c'était bon. Et les gens sont outrés. Y compris des gens pensant à peu près comme nous. Et nous, on adore. Montrant que le produit symbolique, l'attachement symbolique au produit voiture est bien plus fort que le petit gilet rouge. Et on n'a rien à dire là. On n'a rien à dire. Mais là, c'est une manière de parler sans parole. L'association s'appelle Quoi de Neuf. Quoi de Neuf. Quoi de Neuf, oui, justement la question. Et je voudrais... Oui. Donc, quoi de Neuf. En relatant une petite conversation que j'ai eue, tout le monde a eu la même réflexion depuis un mois, probablement, par rapport au ton. Il y a l'interdiction de les tons rouges. Les tons rouges, je ne sais pas. Bon. Et on dit, mais ces gens-là, ils veulent continuer, etc. Mais je dis, mais c'est réagir par rapport à ce qui vient d'être dit sur la bagnole, que je trouve complètement à côté du vrai problème des gens. Les gens qui sont des pêcheurs, ils le savent, il ne faut pas pêcher de thon. Mais ils savent aussi qu'ils n'ont pas d'autre alternative. C'est-à-dire qu'on n'a pas prévu
que s'il y a des changements possibles, s'il y a des obligations possibles d'arrêter le ton, c'est-à-dire qu'ils arrêtent leur métier, qu'ils puissent faire autre chose. Ils vont se repasser, ils vont passer de je sais pas combien en France, 10 000 ou 20 000 francs par mois, à au SMIG. Hein. Et donc ça n'a pas été prévu. Et pour les spectateurs qui voient la bagnole, etc., vous vous placez au niveau d'une interprétation, d'une compréhension du système, de ce qu'est la bagnole, etc., alors que les gens se placent au niveau de la bagnole, qu'ils sont obligés de réparer, de mettre de l'essence, etc. Ce n'est pas du tout le même niveau. Hein. Et là, il faut faire attention à ça. Deuxièmement, alors ma pensée d'avant, c'était celle-ci, je voulais me faire plaisir. Et ce qui me ferait beaucoup plaisir, c'est qu'on ne se laisse pas avoir entre l'opposition, entre ce qui serait du caractère de l'utopie, de la poésie, et d'en face du sérieux, du rationnel, de l'économique. Je pense, moi, que ce qui s'approprie l'économique, le rentable, etc., font une mauvaise économie et ne sont pas rentables. Et que les arguments qu'on pourrait leur donner, on se prive et on se castre en n'amenant pas des contre-propositions qui casseraient leur proposition économique. Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est-à-dire que là, il y a une séparation entre le poétique, l'inconscient, l'utopique, et ce qui serait rationnel, la réalité et l'économique, ce qu'ils utilisent eux comme argument, et nous, on reste dans la castration, dans l'inconscient et la poésie. Voilà. Et ça, il faut le casser pour pouvoir évoluer. Oui. C'est Patrick Vivray, donc, qui a écrit beaucoup, qui est un morceau écologique, assez connu en France, au pays certainement, et qui a écrit dernièrement, je vais tout content, sur Agora Vox, qui est un site qui parle d'articles sur l'environnement aussi, etc., des problématiques d'environnement, etc., d'autres, entre autres. Et il y avait un article très intéressant où il disait comment adopter dans une civilisation qui est en crise, il a dit bien, des stratégies de conflit non violents et de renoncement. Bien ce que je dis. Donc, quelle stratégie de conflit non violente et de renoncement à adopter face à une logique mortifère, qui est celle de la logique économique. Et donc derrière ça, évidemment, mais mystique, mais l'approche des autres à travers la curiosité, par exemple là, hein, comment réamener les personnes curieuses et curieux, parce que c'est une vraie problématique dans la société, les gens ne sont plus assez curieux au sens intellectuel peut-être, parce que les gens, oui, sont curieux peut-être de certaines choses, mais toujours dans des objets très étroits, et pas curieux des arts de la rue, pas curieux des arts du théâtre, etc. L'audace, hein, comme vous avez dit tantôt aussi, c'est juste. Et donc, comment réamener les personnes à, justement, se réapproprier cette curiosité qui est en nous, quoi. Voilà. Donc, je crois que c'est essentiel. Merci. La non-violence est très violente, mais elle ne se situe pas sur la même violence. C'est ce qu'avait parfaitement compris Gandhi et que peu de gens ont compris derrière. Et vous savez qu'on reprochait souvent à Gandhi, dans certaines circonstances, de sortir de son rouet, de ses belles images, de ses belles icônes comme vous en voyez en Occident, etc., etc. Et il prenait le train. Et on le tombait dessus en disant « plus t'es croissant, non, non violent, parce que le train, c'est une violence à la nature et tout ce bazar-là. » Déjà, à ce moment-là, hein, là, on parle des années 40. Il faut se souvenir de ça. Il répondait « mais de toute façon, je prends le train parce qu'il existe, s'il n'y avait pas le train, j'irais à pied. » On en est là, nous, encore. C'est-à-dire, de quelle violence s'agit-il dans la non-violence? Ça, il faut bien, on va pas, c'est pas le sujet en ce moment-là, mais faire gaffe quand on emploie des expressions de ce genre, pas parce qu'on les a entendues et on ne les a pas interrogées, on ne les a pas questionnées d'une manière suffisante. Tu vois. Et c'était violent, hein, l'histoire de la bagnole, là, des deux bagnoles qui se frottaient, parce que c'était sur le symbolique, parce que c'était quelque chose qui disait à tout le monde, à travers cet objet imminemment chargé de symbolique, tout le monde la connaît, là, il y avait quelque chose qui les touchait très, très profondément, d'une manière violente. C'est une provocation. Et la provocation, par définition, elle est utile, puisqu'elle fait parler, par définition, selon l'étymologie du mot, la provocation. Et elle nous provoque à aller vers ce monde dont tu parlais, c'est-à-dire un monde
qui est lui réellement infini, contrairement au monde de la marchandise et au monde de la, et à la nature elle-même et à la biosphère. Et ce monde infini, c'est le monde de la relation. Que cette relation soit avec autrui, avec l'autre, que cette relation soit avec Dieu pour ceux qui croient en Dieu, que cette relation soit avec n'importe quoi, si tu veux. C'est le monde de la relation. Et c'est ça qu'il faut, il faut sortir. Demain, ça ne marchera pas, alors on changera. Et, parce que ça bouge tout le temps. On a tendance dans notre tête à construire des choses qui sont figées, ou à construire des modèles de raisonnement, ou à construire des luttes qui sont figées, dans des modes qui sont figés. Et c'est pour ça qu'ils ne marchent plus. Je disais déjà ça il y a 30 ans aux syndicalistes qui venaient me voir à la Fondreau, genre disant, écoutez, les grands patrons du syndicalisme, des permanents, tu sais, qui roulaient avec des belles bagnoles, déjà à l'époque, je disais, mais écoutez, mais arrêtez de demander plus de sous. Vous allez voir que dans 6 mois, l'augmentation du coût de la vie va rattraper votre truc. Alors c'est un peu désespérant, c'est vrai que 30 ans après, il en soit encore là pour avoir du pouvoir d'achat. Bon, mais il n'empêche que ça a bougé puisque vous êtes là. Enfin, il y a eu quand même quelque chose qui a bougé. Je crois que je veux bien préciser comment arriver à rendre plus audible des résistances. Oui. J'ai bien le mot des résistances, je crois que c'est plus correct. Donc comment rendre plus audible des résistances visibles, audible, oui. Visibles dans la société actuelle, oui. Ou alors qu'un changement de décroissance apparaisse. Quoi. Je dirais que c'est ça qui va être peut-être certainement la problématique pratique qui va se poser dans les années à venir pour nos pays. Donc c'est comment rendre ces résistances visibles. Voilà. Et pas complètement, parce que sinon je ne serais pas là. Ça m'arrive. Mais imaginez qu'on serait pas. Toute cette affaire de décroissance, bon mot, pas bon mot, etc., mot provoquant, tout ce qu'on voudra, etc. Il y a 5 ans, ça n'existait pas. Encore une fois, moi, je milite depuis la guerre d'Algérie, j'ai porté des valises pour les FLN, etc. Bon. Je n'ai jamais vu dans mon histoire militante un mot provoquer ce que ça a provoqué depuis 5 ans. Ça, je voudrais le dire un peu comme encouragement momentané à ce qu'on est en train de faire. Je n'ai jamais vu que ça crée ce genre de choses que Christian vient de nous raconter. Je n'ai jamais vu ce genre de choses. Donc, il y a partout des inventions qui se passent. On n'est pas informé forcément de ça. Quand on l'est un peu plus, ce que tu évoquais, ça existe un peu partout, pas seulement dans les villes, ça existe au fin fond des campagnes, ça existe dans la conscience des paysans, pas chez tous, hein, même à la conf, il y a des cons aussi, hein. C'est pas parce que c'est la conf qu'ils sont tous des merveilles, mais il y a des gens merveilleux partout. J'ai même rencontré des banquiers intelligents. Eh oui. Ben François Partant en était un. Eh oui. François Partant, il bossait pour la Banque mondiale. Eh ben oui. Il a viré le bord. Eh ben il a viré. Sacrément. Eh oui. Ben Vivray travaille. Eh oui. Patrick. Patrick Vivray travaille bien. Hein, donc... Patrick Vivray. Oui. Et conseiller référendaire à la Cour des comptes. Hein. Oui, oui. Et c'est quand même pas rien. Hein. Alors, Patrick m'a dit qu'il ne voulait pas employer le mot décroissance parce que ça fait 20 ans qu'il se battait pour le développement durable. C'est ce que Suzanne Georges m'a dit aussi. On m'a dit que là, c'est quand même. On ne va pas laisser tomber. Mais ils vont y venir. Suzanne, la dernière fois que je l'ai vue, m'a dit que si tu me trouves un mot plus positif que le mot décroissance, je t'offre une caisse de champagne. Mais je dis c'est positif parce que le négatif, il faut bien faire comprendre quand vous parlez aux gens, quand vous parlez de croissance avec les gens, etc., il faut leur montrer tous les aspects négatifs, puis les aspects négatifs qui les touchent personnellement, justement sur des questions qui sont vitales pour eux, hein, la santé, la nourriture et des choses comme ça. Et bien ça c'est lié à la croissance. Ben, la décroissance, ça veut simplement dire qu'il faut laisser tomber toutes ces cochonneries. Il y a la croissance maintenant, à privatif. Oui, mais là, ça marchera, ça passera pas. Ça c'est entre nous, c'est entre nous, ça. Non, même pas. D'accord. Et même pas, oui. Juste d'abord. C'est devenu alter à la suite d'un combat. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de te demander quand elle te dit « nomme-moi la décroissance autrement ». Oui, oui, tu as raison. Effectivement ça, hein, le fait qu'on soit là et qu'on,
qu'on puisse partager des choses, mais il y a surtout le fait que je pense que c'est à ce qu'on fait, quand on agit, ça interroge les gens. Tu vois, je veux dire, ce que ces gens ont fait là, ici, moi, j'en avais pas du tout eu connaissance, mais c'est vraiment des choses qui interrogent les gens. Et ça, c'est vraiment ce qui est de plus palpable et c'est ce qui est efficace. C'est-à-dire, les gens se disent, nous, par exemple, à Lyon, on a organisé une rencontre un peu des gens de la décroissance parce qu'on avait un but précis, c'était que les gens se rencontrent par quartier. Parce qu'on s'était aperçu qu'avec Internet, on avait peut-être des gens de la décroissance juste à côté de chez nous, avec qui on pouvait partager un repas le soir, garder un gamin ou je ne sais pas quoi, mais on ne se connaissait pas. Et les gens étaient ravis. On s'est retrouvés dans un bar, c'était bondé, et on était quatre à co-organiser ça. Mais les gens étaient super contents parce qu'on avait, avec très peu d'énergie, on a mis en marche quelque chose. Et du coup, les gens par quartier, maintenant, se revoient, s'invitent, peu importe, même s'ils ne font pas des choses merveilleuses, même s'ils ne font pas des choses... qui sortent beaucoup de l'ordinaire, il y a des gens pour qui ça a vraiment été une modification importante parce qu'ils se disent en bas de chez moi il y a quelqu'un maintenant que je connais mieux, ou que voilà. Je pense que c'est vraiment aussi aux actions qu'on fait que les gens vont s'interroger, quoi. Voilà, je pense que c'est un élément important. Quand on s'obsède trop sur ce qu'il y a à faire, on oublie ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire. La décroissance, on peut quand même s'interroger du progrès qu'on aurait pu faire avec un terme autre que décroissance. Parce que, entre-temps, il y a eu d'autres termes. J'en prends un qui est américain, qui est permaculture, qui a fait quand même un autre chemin dans les mentalités que décroissance. En tout cas, dans le milieu nord-américain ou américain. Je propose, on est dans un groupe de réflexion avec François Schneider et les Américains. François Schneider avait donc repris le terme décroissance à travers degrowth en anglais. C'est par tous les moyens de trouver un autre terme que degrowth. Oui, mais ça ne marche pas. Non, mais je veux dire, ça marche autant que décroissance. Non, moins. Enfin bon, vas-y. En tout cas, moi j'ai constaté une chose quand même dans les 5 dernières années, et je me souviens de Bruno Clémentin qui nous faisait la leçon en disant « Je ne serai jamais un objecteur de croissance » parce que Rocard, etc., les autres en 70 ont été des objecteurs de croissance. Je ne sais pas si tu étais là quand il te l'a dit. Oui. Il nous l'a dit. Oui, tout à fait. D'accord. Eh bien, je constate aujourd'hui que la décroissance sur ces sites, etc., utilise aussi le terme objecteur de croissance, oui, qui a été une idée lancée essentiellement par Christian Sout il y a 3 ans. Oui, oui. Voilà. Ça veut dire qu'on s'interroge toujours autour de ce terme décroissance qui ne semble pas parfaitement approprié. Et j'évoque un autre élément de ce débat, disons de cette considération, c'est celui d'intégrer le post-développementisme dans ce concept-là. Parce que dès qu'on sort d'un milieu de société industrielle, eh bien, on n'a plus d'arguments puissants. Alors, c'est toi qui dis la parole, c'est la parole qui compte. Donc, je pense que nous devons travailler à trouver une autre articulation. Et une autre articulation nous apporterait peut-être un autre public. Oui, mais tu sais, les mots, c'est aussi comme quand on s'est déradié. C'est pour ça que la stratégie, c'est ça. C'est pour moi, la stratégie, c'est de semer. Et puis, c'est la graine qui sera au bon endroit, elle aura trouvé le bon terrain. Il ne faut pas essayer de vouloir tout contrôler, tout prévoir, etc. Il y a une ébullition, hein, dont parle Bataille, et on est en plein dedans, y compris entre nous, tu vois, y compris sur ce qui nous intéresse. C'est pour ça que, pour l'histoire de la stratégie, je pense qu'il y en a 1000 stratégies, il n'y a pas une stratégie. Il faut arrêter de croire qu'il y a la solution, qu'il y a la bonne stratégie, comme il y a un seul bon Dieu. Il faut arrêter cette monomanie de la chose la meilleure, la plus efficace, etc. Il faut repartir sur ce sentiment du vivant, si tu veux, dont la nature elle-même nous donne la perception et quasiment le modèle. Et en sachant que dans la nature, il n'y a pas de sacrifice. Ça veut dire quoi, ça? C'est un vaste débat. Il y
D'accord. Donc on a eu le post-développementisme, on a eu la décroissance, et peut-être demain on aura autre chose. Moi je souhaite autre chose. Je souhaite cette. Je souhaite cette, ce mouvement. Excuse-moi, c'était quoi le terme anglais? Permaculture. Permaculture. Comment tu en fait, c'est une c'est un mot qui est une contraction de culture permanente. Permanence dans la culture. Et c'est le, justement, c'est un mot qui est encore plus obus, à mon avis, que la décroissance, pour reprendre les termes de d'Ariès, parce que c'est une contraction qui est un peu mystérieuse. Complètement. Je veux dire, c'est pas nouveau, c'était en 70 tout ça, je suis pas d'accord, non, et le mouvement il s'est soufflé, mais il n'est pas de 2000, il est de 70. Et sinon, moi je considère qu'on est en décroissance, et qu'il faut le dire, oui, puisque oui. La, on est en fausse croissance, c'est une croissance purement d'ordre financier, quoi. Si on tout à fait. Donc il faut au contraire dire on est en décroissance, et on veut une décroissance solidaire. Moi j'ajoute toujours ce mot, ou alors c'est une décroissance guerrière. Mais on est en décroissance, pour faire, il faut l'affirmer. Quoi. Absolument. Et il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit de préparer après. Tout à fait. Bien. Non. Bien, en intervention également, ça, je le fais souvent, et où je m'aperçois que ça débloque dans l'esprit des gens un certain nombre de blocages qu'on vient d'évoquer là, qui disent cette espèce de sentiment d'impuissance qu'ont les gens, cette inertie chronique, etc. Il y a deux choses qui les font percuter sur qui ils sont et quelle est la place qu'ils peuvent occuper demain dans leur propre vie. Parce que c'est quand même ça dont on parle, c'est la place que nous occupons chacun de nous dans nos propres vies. C'est un, détricoter le système en place, qui est une manipulation psychologique et psychiatrique presque énorme. Il repose sur deux choses. Il nous fait croire que, un, le sacrifice est une obligation de la nature, c'est une des croyances sur lesquelles il est basé. Le deuxième chose sur laquelle il repose encore, c'est la notion de pénurie. On a bâti tout l'esprit sacrificiel de nos sociétés sur l'idée que nous manquons toujours de quelque chose. Exactement. Or, notre monde et la vie telle qu'elle est dans l'abondance, surabondance, elle est en surabondance. Et les gens, je dis en général, les personnes qui n'ont pas déjà commencé cette réflexion que nous avons nous ici et depuis déjà longtemps, ne se sont jamais interrogés sur la pertinence de toujours imaginer des systèmes sociétaux, économiques, d'échange ou autres, basés sur autre chose que la pénurie. Transformer la croyance que nous manquons toujours de quelque chose en la croyance et en la compréhension que nous avons maintenant, qui plus est avec toute l'industrialisation précisément, la capacité des machines et autres, capacité à répondre à nos besoins. Donc, première chose désamorcée là-dessus. La deuxième chose, c'est de leur donner un terme. Vous disiez, il faudrait qu'on trouve un autre terme. Moi, j'en évoque souvent. Je dis, nous devons passer d'une économie de marché à une économie de besoin. Parler des besoins tout à l'heure, et en posant ces mots, les gens viennent naturellement à se dire, mais c'est vrai, au fait, c'est quoi un besoin? Et par rapport à une envie, par rapport à un rêve, ça commence où, ça finit où? Et donc la réflexion intérieure commence à se poser à l'intérieur d'eux. Et la dernière chose que je dis pour débloquer, c'est que je leur dis que pendant des centaines et des milliers d'années, nous avons tenté de faire des échanges après l'époque du troc, hein, les âges du troc, avec quelque chose qui était du plus durable, qui était les pièces de monnaie, qui n'étaient pas périssables, etc. Donc je leur raconte l'histoire de l'argent. Et je leur explique qu'aujourd'hui, on est capable, pour soutenir la bourse à New York quand elle se plante, de sortir 880 milliards de dollars d'un clic informatique à partir de la banque mondiale. Et ça, qui le sait? À part quelques-uns d'entre nous qui peut-être se sont attelés à la tâche un peu rébarbative de mettre le nez dans l'économie, etc. Pour toutes les raisons qu'on disait, ce jargon, ces termes qu'on nous a rendus presque illisibles pour justement nous détourner de l'idée d'aller essayer de comprendre. Si on comprend ce qu'est l'économie véritable dans laquelle aujourd'hui nous sommes ligotés, eh bien, il y a deux ou trois choses très simples à faire pour la débloquer. Et ces deux ou trois choses, peu de gens osent les dire. Les mots ne sont pas prononcés, il y a des tabous sur un certain nombre de choses. Et c'est peut-être sur notre croyance fondamentale
qui serait celle que j'énoncerai alors. Ou dans des situations particulières. Il y a quelques années à Alès, il y a eu une inondation considérable, et il y a une petite anecdote que j'aime bien raconter, vraiment une grosse inondation comme le Gardon sait en produire. Donc les boues étaient montées jusque dans les HLM de Condilis à l'entrée, au départ du Gardon à Alès, pas au départ, enfin au passage du Gardon à Alès, et dans ce HLM vivait un ancien mineur, il y avait les mines de charbon pas très loin, etc. Ce mineur passait sa journée devant la télévision, se faisait chier depuis 20 ans qu'il était à la retraite, il n'avait pas la silico, il buvait des bons coups avec ses copains, mais il était méprisé, d'accord. L'inondation arrive, il y a plein de boue dans le HLM, de 3 mètres de boue, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis son vêtement, son bleu, il a pris sa pelle qu'il avait gardée, sa pelle de mineur, il est descendu et il a contribué au déblaiement de l'immeuble. La télé est arrivée pour lui dire « Mais pourquoi vous faites ça ?»« J'ai retrouvé ma dignité, je ne suis plus méprisé. Parce que je suis utile là provisoirement, puis dans 3 mois je vais peut-être mourir, il a été vieux comme tout. » Et ça, il faut bien comprendre que cette société sacrificielle dont parlait Dominique, Marie-Dominique, est une société du mépris pour la plupart des gens. Une autre petite anecdote sur le sujet, et un exemple formidable que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne l'ai pas connu. C'est un architecte qui s'appelle Hassan Fathi, qui a travaillé en Égypte, et il a commencé un peu la même conversion que François Partant. Il a construit des gratte-ciel au Caire, et puis il a eu une révélation un jour, il dit « Mais je suis complètement débile ». Il a tout arrêté. Il est reparti dans la haute vallée du Nil pour combattre le mépris dans lequel se trouvait l'architecture vernaculaire de la haute vallée du Nil, de l'architecture en terre, de l'architecture des voûtes absolument magnifique. Et il a passé les 10 dernières années de sa vie à revaloriser ces personnes qui avaient ce type de construction qu'on dirait aujourd'hui bioclimatique, écologique et tout le bazar. Vous voyez ? Ça, c'est deux exemples pour moi que j'ai en face de ces deux personnes qui ont combattu la société du mépris dans laquelle on est, en se mettant à la portée des autres et en écoutant ce que les autres avaient à dire, à travers la solidarité, etc. Voilà, ça va. Très important. Je n'avais pas tout à fait terminé. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que nous devons nous libérer de la croyance que l'argent doit être gagné. Mais bien entendu, vous le volez. Alors, de la même manière, nous le savons tous intuitivement, mais nous ne le verbalisons pas suffisamment. Mais bien entendu. On ne met pas les mots dessus, c'est ce que tu disais. On doit arrêter de faire croire aux gens que l'argent se mérite. L'argent pourrait être distribué demain matin à tout le monde et en abondance. Ça poserait, ça ne changerait rien. Rien du tout. Ni à nos besoins, ni à nos formes relationnelles, etc. Voilà. Et ça, c'est rarement, et même par les décroissants, verbalisé sous cette forme aussi simple que cela. Tout à fait. C'est rarement dit. Voilà. Ben, je regrette pas d'être dans le terme décroissance. C'est une ambiguïté qui est compréhensible quand on parle avec des gens qui sont en dehors des cercles d'initiés. Le mot décroissance, effectivement, ça a une connotation négative parce que c'est quelque chose que l'on subit. Et quelque chose que l'on subit, on n'a pas envie, effectivement, de le porter comme un étendard. Et toi, tu parlais, quand tu disais tout de suite, on est des gens en décroissance, effectivement, pour... J'imagine que si on veut utiliser le terme décroissance, il faut l'utiliser effectivement comme un projet de simplicité volontaire, mais qui est un choix, et le distinguer de façon très nette effectivement, d'une pénurie, d'une récession, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, que l'on subit aujourd'hui. C'est deux choses qui sont complètement différentes, et il faut bien faire attention à ne pas assimiler les deux si on veut être audible. Déjà entre nous et puis vis-à-vis de l'extérieur, quoi. Voilà. En plein dedans. Y a rien à expliquer. Ouais. Rien à expliquer, rien. Qu'on soit l'UMP, socialiste, Front National, écolo, décroissant, bouddhiste, marxiste, chrétien, tout ce que tu voudras, on va tous être dedans. Ah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est au niveau des termes, après, voilà, définitivement. Je viens d'expliquer. Tout à l'heure, je parlais à une géologue, voilà. Le pétrole, c'est une donnée factuelle, c'est de la géologie. Quand il n'y a plus de pétrole dans le sol, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'on pourra toujours faire des discours sur le prix du baril, sur la consommation des 4x4 et sur les grosses voitures. Il n'y en a plus rien à foutre. Et en plus, moi, je pense même que
le dernier le forage dans le monde qui extraira le dernier baril de pétrole, il ne saura pas qu'il est en train d'extraire le dernier baril de pétrole. Ça veut dire qu'après, qu'est-ce qui reste? Ce qu'on appelle les réserves stratégiques, où les pays les plus riches ont fait des réserves pour pouvoir faire la guerre, pour protéger les dernières coupes de pétrole et aller chercher les réserves les plus faibles, c'est ça le pétrole. Et ça, il n'y a rien à expliquer. Ah oui, non, je veux dire, c'est une pénurie de biens, effectivement, de ressources naturelles que l'on peut subir. C'est effectivement un projet de rééquilibrage de consommation pour effectivement une meilleure justice, une meilleure répartition des biens. C'est un projet de simplicité volontaire. Il faut distinguer ce projet volontaire de ce qui est subi, si on veut être clair, vis-à-vis de l'extérieur entre nous. Quoi. Mais en même temps, je ne veux pas être filmée, merci. En même temps, on mange à 19h30. D'accord. Donc, de toute façon, je voulais juste vous dire quelques mots, parce que je vais m'en aller. Ben, j'étais bien content de vous voir et de connaître des gens que je ne connaissais pas, de voir vos visages, de vous entendre. Et je vais juste vous laisser un petit paquet en partant. J'ai inventé un oxymore nouveau, hein, déjà que ce n'était pas terrible, le développement durable. Alors celui-là, je ne sais pas s'il vaut ce qu'il vaut, mais ça rejoint un peu ce que disait Étienne à l'instant. Je pense qu'on doit construire une espèce d'idéalisme objectif. C'est antinomique par définition. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur la construction d'une idéologie. C'est à partir de la lecture du réel dont parle Étienne à travers le pétrole, plein d'autres réalités, que peut se construire, pas se construire, que peut se vivre et ce vivant se construire, deux étapes, la société dont nous avons non seulement le droit mais le devoir de rêver qu'elle advienne. Voilà ce que je voulais vous dire et merci d'y contribuer. À bientôt. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle le rat. C'est le dos. Ça s'appelle le rat. Oh, chez le lapin. Attends, bouge pas. Chez le lapin, ça s'appelle le rable. Et la fermière, elle a intérêt à faire le développement durable. Parce que sur un lapin, c'est là où il y a le plus de chair. Donc quand on vous parle du développement durable, vous dites, ouais, bah, le rable du lapin. Et moi, j'ai fait ça un jour. Ah, Serge Latouche, il était très content. Serge Latouche, il était très content. On peut y aller, s'il vous plaît ? Oui. Non, je vais faire la clé. Oui. Tu touches le revenu d'existence. Si tu es un salarié à côté, tu as ton salaire plus. Le problème, oui, c'est que le problème, si tu veux, tu continues à faire de la méritocratie. Non, quelque part. Et ouais, c'est ça le piège. Non. Le piège, c'est que tu auras toujours le mec qui sera toujours là, en capacité égotique de dire. Ah oui. Mais...